100% local. Après avoir tourné avec les trapétistes, Hello Jazz Quartet ou encore Medievals et monté son projet solo, Hello Papillon, Elodie Bernigal nous enchante maintenant avec son premier spectacle et album jeune public Dans mon sac à son. Véritable épopée sonore teintée de musique trad, d'humour et de douceur, l'opus nous emmène à la conquête des sons, de quoi ravir les petits mais aussi les grands, puisque tout à fait personnellement j'écoute l'album en boucle. Pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio, Hello Papillon. Bonjour Hello. Bonjour Sandra. Alors Hello, tu t'es bien entourée hein, pour partir sur le chemin du jeune public et notamment de Jessica Nourisson pour la mise en scène et la co-écriture de l'histoire. Alors c'est vrai que ton univers solo, Hello Papillon, il est frais, il est tendre, merci, il est poétique. Oh. Peut-être, certains diront, un brin naïf. Finalement, ça semble coller parfaitement avec du jeune public. C'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ? Pas forcément. En tout cas, comment dire, du jeune public, j'en avais déjà fait avec les trapétistes, donc c'est pas une nouveauté, mais... En tout cas, ça n'empêche pas que les deux univers, et le jeune public et le tout public, puissent se ressembler, qu'on puisse retrouver effectivement tout ce que tu dis, un brin de naïveté, genre de choses. Même pour les adultes, ça peut faire du bien. Et oui, ça s'y prête très très bien pour le jeune public, effectivement, en tout cas pour résumer. Ouais. Hello Papillon, Dans mon sac à son est un spectacle qui est fait pour les 4 à 10 ans. À quoi avez-vous dû faire attention dans l'écriture de l'histoire pour satisfaire ce public qui est, il faut le dire, quand même assez exigeant ? Oui. Écoute, on a mis à partir de 4 ans, mais je l'ai déjà fait pour des plus petits, en réduisant le temps de spectacle, parce que voilà, l'attention n'est pas la même. Et à quoi on a fait attention ? En tout cas, on ne s'est pas censuré, ça c'est sûr, on n'a pas cherché spécialement à rentrer dans un cadre. L'idée, c'était vraiment de rester dans cet univers poétique et puis vraiment éveiller la curiosité. On était plus, pas dans la censure, mais plus dans l'envie de faire certaines choses. Voilà, dans l'envie d'ouvrir à la curiosité, qu'il se passe des choses visuelles, qu'il y ait différentes ambiances musicales, et puis des jeux de mots. Enfin voilà, l'idée c'était plus ça, et pas l'idée, en tout cas on n'est pas parti dans l'idée, oh là là, on va surtout pas faire ça, ça non plus. Donc il n'y avait pas de censure en tout cas. Ouais. Voilà, pas de censure, et puis quand même faire attention à pas lasser. C'est vrai qu'on a une génération là qui zappe beaucoup. Ah oui, ça hein. C'est sûr, ouais, c'est vrai que... Oui, on peut se dire ça. Et puis à la fois, on peut se dire aussi que de voir des choses différentes, c'est bien aussi. Vraiment, de pas rentrer trop dans un moule non plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai des bons retours. Donc c'est plutôt positif déjà. Voilà. Et des institutrices et des instituteurs qui sont venus ou chez qui je suis allée parce que j'ai joué dans des écoles. Et des parents et des enfants. Donc c'est vraiment chouette d'avoir des bons retours, quoi. Ouais. Il y a des spectacles jeunes publics qui sont, on pourrait dire, un brin niais, hein, quand même, il faut le dire. Est-ce que ça a été une peur pour toi, Hello, ou au contraire, pas du tout ? Est-ce que tu t'es dit, ah non, mais moi je veux pas faire un truc niais, je veux que ça soit vraiment une vraie histoire, avec du contenu pédagogique aussi, on en parlera tout à l'heure. Je me suis pas trop posé la question, mais c'est vrai que ça peut faire peur, ouais, de vite que ça devienne cucu ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je me suis pas trop posé la question et en tout cas, ça a pas l'air d'être ce qui ressort, donc heureusement. Mais c'est vrai qu'on peut vite virer du côté, ouais, un petit peu niais ou un petit peu bébête, ouais, c'est vrai que ça peut. Du côté. Obscur. C'est pas le cas en tout cas, j'espère. Non, c'est pas du tout le cas. Et Lou, rassure-toi, c'est pas le cas. T'as fait tester tes chansons un peu à des jeunes avant de les mettre dans le spectacle ou de les inclure dans le CD ? Alors déjà, il y a quand même quelques chansons qui existaient déjà. Oui, il y en a 3. Public, dans le tout public, ouais. Et du coup, j'avais des retours et des adultes et d'enfants. Et c'est là que justement, je me disais, ben, ça fonctionne carrément avec des enfants, quoi. Du coup, il peut y avoir une double lecture et c'est ça qui est chouette. Tester d'autres chansons, oui, j'en ai testé un petit peu, notamment parce que je fais de l'éveil musical. Et donc, du coup, j'ai quelques chansons, notamment les bruits de bouche, la chanson. Je voulais voir un petit peu comment ça réagissait et ça marchait très, très bien. Donc voilà, du coup, j'étais rassurée et réconfortée de continuer. Et justement, ça a été l'occasion de les faire participer, ces enfants de l'éveil musical de l'association La Marmite. Je les ai enregistrés pour certains et ils apparaissent sur l'album, justement. Dans cette chanson, justement. Les bruits de bouche.
Les bruits rigolos, pardon, je dis les bruits de bouche. Bruits rigolos. Il y a des bruits de bouche dedans, mais c'est les bruits rigolos, le titre. Voilà. On parle d'éveil musical, et nous, c'est vrai qu'il y a une grande attention qui est portée à la voix, mais aussi à la musique dans cet album, dans ce spectacle, comme s'il était vraiment important pour toi d'éduquer à la musique acoustique, à la voix, parfois presque lyrique, hein. Il y a un petit passage comme ça dans le spectacle. C'est vraiment ça l'objet pour toi, éduquer au son, à la musique, à la complexité du spectacle vivant finalement. Oui, en tout cas, il y a toujours l'idée quand même de ludique. En fait, justement, je joue avec la voix. Quand tu parles de lyrique, il y a vraiment un moment donné dans le spectacle ou même dans l'album où je m'amuse avec ma voix. Et c'était vraiment ça aussi, c'était dire, bah voilà, ou même avec le corps, tous ces bruits qu'on peut faire, les percussions corporelles. Et c'était ça aussi, c'est se dire, bah voilà, avec peu de choses, des fois, on peut vraiment s'amuser, quoi. Et après, oui, il y a les autres instruments, qui apparaissent, le piano, la guitare, accordéon, tout ça, qui sont forcément une ouverture aussi. Voilà, éduquer, ça serait un peu prétentieux de ma part de dire éduquer, mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette envie de partager et de... Et que ça reste ludique. Voilà, de sensibiliser peut-être oui, au beau son. Oui, sensibiliser, oui, peut-être. Sensibiliser. Oui. T'aurais pu mettre du rap ou du R&B, hein, oui, peut-être des sons électroniques. Oui. Et à mon grand bonheur, oui, tu as préféré le petit côté trad. Oui, ça, c'est très sympa aussi. Ouais, hein. Surtout sur la bourrée des sons. Alors là, c'est vrai qu'on s'est bien éclaté. Puis c'est une musique qu'on a écrite avec Bernard Rambeau. Et c'est vraiment, moi j'adore ça, la musique trad, donc c'était l'occasion de s'amuser. Et c'est vrai que rajouter des petits sons rigolos dedans, ça, c'était drôle quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de moments où on a envie de danser quand on écoute ton c'est album. Vrai, ouais. Est-ce qu'il y a des enfants qui se lâchent comme ça pendant les spectacles ? Oui, c'est vrai. Ouais, complètement. Ça arrive et c'est chouette. C'est assez rassurant. On se dit bon, voilà. Parce qu'il y a aussi, pour les tout petits, ils ne saisissent pas forcément tout dans l'histoire du spectacle.
Et du coup, bah, ils se laissent bercer par d'autres choses. Hein. Enfin, ça va passer plus par le rythme ou par voilà, le tempo. Et donc, c'est chouette aussi que ça passe par d'autres choses que par la compréhension de l'histoire. Voilà. Donc, ah bah, justement. C'est plutôt bien. Un petit mot sur l'histoire, est-ce que tu peux nous la rappeler, Hello? Alors, très brièvement, alors, c'est un petit personnage qui habite sur une, tout en haut d'une montagne. Elle est perdue au-dessus des nuages, en fait, toute seule, isolée dans sa cabane. Et elle se sent chargée d'une mission qui est de sauver les sons des gaspilleurs de sons. Et donc, elle remonte les sons sur sa montagne, dans sa cabane, et elle s'amuse à les mélanger dans son petit laboratoire. Et voilà, elle joue avec les sons qu'elle collecte, qu'elle archive, elle joue avec sa voix, avec les notes, en fait, tout ce qui est son. Et puis, dans son histoire, il y a des petits personnages comme Louis, qui est dans son oreille et qui lui parle de temps en temps, qui vient la questionner, qui vient la taquiner. Et puis, il y a aussi l'écho, qui vient, c'est le seul son qu'elle n'arrive pas à attraper, donc voilà, qui vient la narguer dans sa cabane, voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Voilà, et je raconte pas la fin parce que... Ah, bah non, faut pas gâcher le suspense hein, quand même. Voilà. L'interaction, c'est pour toi un ingrédient primordial pour un spectacle jeune public? Pas forcément, mais c'est vrai que c'est bien que par moments, voilà, les enfants aient envie de participer, ça c'est sûr que c'est chouette, mais pas forcément, voilà, c'est pas... nécessaire non plus. En tout cas, ça vient naturellement. Je les invite à le faire de temps en temps, même si c'est pas, explicite. En tout cas, je les invite à le faire par moment, voilà. Façon détournée un peu. Parfois, traduire un spectacle sur CD, c'est pas forcément facile. Ça s'est passé comment pour Dans mon sac à son? Alors, tout à fait. Je dirais que c'est plutôt complémentaire, en fait. Les deux choses sont complémentaires. C'est pas le CD, c'est pas l'histoire, c'est pas, en tout cas, c'est les chansons. Les chansons qui sont vraiment réarrangées, parce que sur scène, je suis toute seule, donc c'est très épuré. Alors que là, le CD est beaucoup plus fourni. Et il y a pas forcément, enfin, il n'y a pas l'histoire, même si de temps en temps je parle. Voilà. Donc c'est plutôt complémentaire, on va dire. Un mot sur les amis, quand même, qui sont venus te prêter main forte pour enregistrer ce CD. Il y en a pas mal. Beaucoup de chance. Je suis entourée de chouettes musiciens talentueux. Donc il y a Bernard Rambeau qui a participé aux arrangements et qui joue batterie, percussion, basse, qui fait des chœurs aussi. Donc un grand merci à lui, je le précise. Il y a Noélie Nioulou qui est justement violoncelliste et violoniste et qui joue sur toutes les parties plutôt trad, notamment dans La Bourrée des Sons. Il y a Jacques Baguet, qui est un saxophoniste talentueux, qui joue sur plusieurs morceaux aussi. Et puis, il y a Jules Lacharme aussi qui s'est chargé du mixage et qui joue de la guitare dessus. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir Sébastien Rambeau qui a participé aussi avec sa voix grave, voilà. Et puis les enfants de la Marmite, entre autres, voilà. Et à noter, très belles illustrations pour cet album, des illustrations signées Anne-Claire, c'est ça? C'est ça, Anne Jarosset-Claire. Qui a fait donc l'illustration, donc peinture et graphisme. Et moi, je suis fan, donc voilà, je suis ravie. En tout cas, je trouve que c'est très représentatif de l'histoire et voilà, j'aime beaucoup son univers. Je trouve que ça colle très très bien à la musique. Voilà, et c'est très beau. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Hello Papillon, le spectacle Dans mon sac à son, il a été créé fin 2016, si je ne m'abuse. Déjà, hein, voilà, déjà. C'est une vitesse. Il a pas mal tourné depuis. Ton plus beau souvenir de scène avec les enfants, c'est quoi? Oula, il y en a tellement de beaux. Bon, je dirais la première date, en fait, qui était à l'espace culturel Louis Aragon à Saint-Vallier. Donc la première, c'est un petit peu le trac, comment on va réagir et tout ça. La première journée, je dirais. Et voilà, il y avait pas mal de gens que je connaissais dans la salle et des super retours. Ça fait beaucoup de bien quand... voilà. C'était attendu, en fait. C'était vraiment un spectacle très attendu. Du coup, c'est un beau souvenir pour ça, ouais. Ouais, voilà. Et puis après le spectacle, voilà, les autographes. Les enfants adorent ça, donc signer les affiches. Du coup, c'est vrai que c'est un beau souvenir. C'était chouette. T'imagines déjà une suite à ces aventures jeune public? Ah mais complètement, oui. Pour le moment, c'est l'inconnu, mais je l'imagine bien. Oui, j'aimerais bien continuer, ouais. Voilà, après ce spectacle, il a encore le temps de tourner, aussi bien dans les écoles que dans les théâtres ou les centres culturels. Donc j'espère, en tout cas.
Et voilà, mais ouais, je suis tout à fait, j'adore ça, quoi. Je trouve ça super chouette. Et j'aimerais bien éventuellement faire pour les encore plus petits. Voilà, parce que là, c'est à partir de 3-4 ans, et c'est vrai que parfois on me demande pour plus petits, et c'est encore une autre approche, quoi. Donc voilà. Et j'oublie pas le tout public, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, faire vraiment des compositions tout public, c'est-à-dire vraiment pour les adultes, et voilà, rester dans ce qui est musique actuelle aussi. J'aime ça aussi, donc j'aime bien avoir plusieurs. Cordes. Voilà, plusieurs cordes en arc. Plusieurs ailes à ton papillon. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet album Jeune Public, dans mon sac à son? Alors, ça reste assez local. En tout cas, on le trouve à Cultura Mâcon. On le trouve au Crescent, je ne me trompe pas, à Cuny, au Pain sur la Table, à Mont-Soleil-Mines, au centre Leclerc, voilà, pour ce qui est de la région. Et j'espère que ça va s'élargir. Peut-être sur ton site internet aussi. Alors, oui, en tout cas, on peut se le procurer en envoyant un chèque, mais peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour en parler. En tout cas, l'association Possible, P-E-A-U, Cible, C-I-B-L-E. Mais vous pouvez passer par le site internet et envoyer un petit mail. Et en fonction de votre demande, on vous enverra l'album. Voilà. Merci beaucoup, Hello Papillon, d'être venu tout nous dire sur Dans mon sac à son. Et on va se quitter, bien sûr, en musique. Merci. Merci, Sandra. Pyjama et pantoufles, l'un sans l'autre, ça ne va pas. Pyjama et pantoufles, et pourtant ça ne rime pas. Pyjama, pantoufles, pyjamoufle et pantoufles. Voilà qui est mieux comme ça, voilà qui est mieux comme son. Quand les syllabes font la fiesta, le mélange est vraiment extra. Pour écrire une chanson, mélanger le grand bouillon. Mon copain et ma copine, je malin, je malin pour toi. Ça ne va pas, confiture et tartine, et pourtant ça ne rime pas. Confiture, tartiture, confitine et tartine. Voilà qui est mieux comme ça, voilà qui est mieux comme son. Voilà qu'elles ont meilleure mine quand les lettres font les coquines. Pour écrire une chanson, mélanger le grand bouillon. Mes copains et mes copines, je malin, je malin pour cantine. Pour écrire une chanson, mélanger le grand bouillon. Sans l'autre, ça ne va pas. Aquarium et poisson, et pourtant ça ne rime pas. Aquarium, poissarium, aquasson et poisson. Voilà qui est mieux comme ça, voilà qui est mieux comme son. Oui, c'est vraiment de bon ton quand les mots font objection. Pour écrire une chanson, mélanger le grand bouillon. Mon copain et ma copine, je malin, je malin pour cantine. Pour écrire une chanson, mélanger le grand bouillon. C'était 100% local sur Radio Aléo.